Oh oh oh, géant! Ouais, ok, ça ressemblait plus à une pub pour des petits pois que le Père Noël, je le reconnais. Salut les gens, c'est MB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce midi pour une petite vidéo. J'adore faire petite vidéo, mais ça se trouve, elle durera quand même assez longtemps. Ce n'est pas grave, puisque j'ai des choses à vous dire. J'ai des choses pour vous, pour Noël. Parce que justement, Papa Noël EMB est de retour et il a des petites choses pour vous, pour que vous puissiez les mettre sous le sapin, ou en tout cas, que vous puissiez les gagner au moins pour Noël et que ça arrive peut-être un petit peu après, ça dépendra de la poste. Alors dans un premier temps, eh bien, j'ai reçu, par inadvertance, deux jeux One Piece qui sont là. J'en garde un pour moi, mais il va également y en avoir un pour vous. Voilà, pour vous, peut-être pour toi, derrière ton écran là, qui est en train de regarder, tu fais... Moi ? Moi, c'est pour moi le jeu One Piece. Mais peut-être que c'est pour toi. Oui, on ne sait pas. La magie de Noël, tout ça, ça ne se contrôle pas. Et parce que je t'aime, je surenchéris d'une pochette qui est là pour la Nintendo Switch. Alors, je le précise quand même, parce que c'est quand même assez important. Cette pochette, c'est une pochette que j'ai reçue dans le cadre d'un partenariat. C'est une pochette que j'ai testée. C'est une pochette qui n'est pas waterproof. Hein, on est clair entre nous. Donc en gros, comme 99% des pochettes. Hein, 99% des pochettes ne sont pas waterproof. Mais le fait est que celle-ci c'était marqué sur la boîte. Donc il me semblait important de le préciser. En tout cas, ce midi, double pack à gagner. Je vais mettre le concours en place sur Twitter, Instagram et Facebook, mais également YouTube. Ceci à gagner pour jouer et pour la protéger chez vous. Donc en fait, c'est tout simple. Pour participer, il va falloir liker la page Instagram, Facebook et ou Twitter. Si vous faites les trois, ben vous avez plus de chance, parce qu'en fait c'est un logiciel qui a fait les tirages au sort. Donc plus il y a votre nom dans le système, plus les probabilités sont fortes pour que le système vous choisisse. Vous comprenez bien. Et ensuite, ben moi je vais rajouter dans le logiciel une petite ligne avec une participation de votre part qui va être faite en étant abonné à cette page YouTube. Alors mais comment que ça se passe? Eh bien tout simplement, tu me fais une capture d'écran comme quoi tu es bien abonné à la chaîne et tu m'envoies cette capture d'écran sur Twitter avec le hashtag NoëlEMB, et pour que je puisse même mieux la voir, tu peux la poster directement en commentant le lien du concours que tu verras apparaître sur Twitter ou sur Facebook ou même sur Instagram. Tu peux poster la photo sur ton compte Instagram et ça me permettra de la voir. Donc c'est vraiment tout simple. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Bon, en fait comme tous les concours. Sauf que celui-là, eh bien c'est moi qui l'organise et c'est pour toi. Mais t'avais dit que c'était le Père Noël qui l'organisait. Oui, bah le Père Noël EMB. Et EMB c'est moi, donc voilà. Bref, j'espère que ça fera plaisir et n'hésite pas à participer. Et le tirage au sort de ce concours se terminera le 24 décembre, donc vraiment le jour de Noël. Donc le fait est que normalement on ouvre ses cadeaux le 25, mais vous aurez un message de ma part en privé comme quoi vous allez gagner ce pack, donc ça sera encore mieux. Donc vous ne l'aurez peut-être pas sous le sapin le 24, mais en tout cas, vous aurez un petit mail vous disant « Oui bonjour Léopoldine, tu as gagné ce pack !» Et parce que bah, Noël c'est une fête et que je vous avais promis d'autres petites choses à gagner, et bien, et plutôt que faire différents petits concours pour les remporter, va y avoir un méga pack de Noël aussi, un méga pack de youtubeurs en herbe ou alors de vidéastes amateurs. Voilà, c'est vraiment, enfin, comme vous, comme moi d'ailleurs, hein, qui est vidéaste amateur, on peut parler de moi. Mais qu'est-ce qu'on a là-dedans? Et bien là-dedans, il y a trois choses. Un micro, une petite enceinte portable qui recharge votre téléphone ou votre Switch, et également une mini caméra 1080p 4K. L'enceinte portable, elle est là, le micro, il est ici, et voilà, petite caméra 1080p 4K. Si je te la sors de la boîte, elle ressemble même à ça. Comment ça va se passer et quand ça va se passer? Et bien comme ce midi là, la vidéo que vous regardez, et bien vous aurez vendredi midi, vous aurez la vidéo sur le test de cette caméra, puisque je vous avais dit que je vous ferai un test complet. Et à l'issue de ce test, vous pourrez commencer à participer sur Twitter, Instagram, Facebook et également YouTube. Alors je préfère le préciser, voilà, puisque c'est assez important. Il n'y a pas besoin de marquer je participe sous la vidéo YouTube. Ce n'est pas la peine de pourrir la vidéo, ce n'est pas la peine de pourrir l'espace commentaire avec je participe. Le je participe ne sert absolument à rien. Bon après, sur Instagram, Facebook et Twitter, là ça c'est cool de voir je participe et ça c'est super sympa, mais sur YouTube l'espace commentaire c'est pas fait pour ça. Donc comme ça vous et moi nous sommes au clair et j'espère vraiment que ça va vous faire plaisir, parce que bah, parce que c'est pour ça que je le fais. Voilà, ce jeu que j'ai commandé en double, et ben bah, j'en ai pris un pour vous parce que je me suis dit punaise, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon One Piece. Donc bah écoutez, voilà, un pour vous, un pour moi, et comme ça on pourra se dire qu'on joue au même jeu au même moment. Ah mais il y a aussi autre chose que je voulais vous dire à la fin de cette vidéo. Et bien, je ne l'ai jamais fait, et bien ce qu'on va faire, c'est que cette fin de vidéo va tourner en vlog. Ouais, en vlog, on va bouger les gars, j'en ai marre d'être dans ce fauteuil, j'en ai marre d'être à l'intérieur. Il fait froid dehors, ah oui, il fait froid. Eh ouais, ah ouais, c'est un petit problème, bon, ça, il fait froid, bon, c'est pas grave. Allez, vous venez avec moi parce que j'ai envie d'aller acheter un nouveau petit jeu Switch. C'est parti, on y va, en voiture. Bon voilà, la porte de l'ascenseur est en train de se fermer, vous savez quoi, le pire, c'est qu'il est quoi, il est quasiment 10h du matin, je suis en pull et il fait froid dehors, mais terriblement froid. Et je pense que le pire truc qu'on peut faire en fait, c'est de laisser son manteau
un gros manteau bien chaud d'hiver, dans la voiture. Je pense que c'est le truc le plus débile du monde. Et c'est pareil quand vous laissez votre écharpe ou vos gants dans la voiture. Et en plus, enfiler un manteau à une main, c'est juste le truc le plus relou qui soit arrivé au monde. Bon, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend la voiture, on va filer directement à la galerie la plus proche. En plus, j'ai quelques courses à Noël. On va faire ça ensemble. Ça va être la première fois pour moi que je parle à mon téléphone dans une galerie. Et ça, je pense que c'est assez bizarre. J'ai déjà vu plein de youtubeurs qui le font. J'ai peur que les gens me regardent de façon très chelou. Voilà, je pense que les gens vont me regarder de façon très chelou. Et les vendeurs, pareil. Puis, c'est parti. Allez, en avant. Bon, on y est, ça y est, on va pouvoir aller faire les petites courses de Noël, la galerie est pas trop pleine, ça va, pour 9h du matin, 10h du matin, ça va, tranquillou. Et je ne sais pas exactement où on va aller exactement pour trouver notre petit jeu et trouver nos petits cadeaux, on va bien voir. Bon, ok, je vous ai fait défaut, c'est vrai, j'ai pas beaucoup filmé la galerie parce qu'il y avait beaucoup de monde finalement et que j'étais un petit peu mal à l'aise encore une fois vu que voilà, je débute YouTube, donc c'est assez compliqué pour moi de me filmer dans une galerie avec des gens qui me regardent, hein, il faut se le dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas trouvé mes cadeaux de Noël ceux que je souhaitais, donc du coup j'ai été chez Micromania parce que j'avais 60€ de bon d'achat, voilà, d'un jeu que j'avais revendu. J'ai pris plusieurs petites choses, j'ai pris deux petites pop qui sont là. J'ai pris la pop de Jessica Jones, qui est ici, qui est super sympa, qui est une série que je vous conseille, d'ailleurs, soit dit en passant. Également la pop de Buzz l'éclair, qui est une pop spéciale pour les 20 ans d'anniversaire de la série. Et puis, moi, j'adore Buzz l'éclair, j'adorais Toy Story, donc deux petites pop supplémentaires. Et également, c'était un jeu PS4. J'ai pris un jeu PS4, c'est même pas un jeu Switch, parce qu'en fait, il était à 30€, enfin 29,99€, et je le voulais depuis un sacré bout de temps, et que du coup, c'est ce qui me restait après l'achat des deux pop, puisque les deux pop, ça faisait quasiment 30 et que le jeu était à 30, et j'ai pris The Evil Within 2. The Evil Within 2. Vous êtes l'ex-inspecteur Sébastien Castellanos et vous avez touché le fond. Le 1 était génial déjà. Une chance de sauver votre fille s'offre à vous, mais pour cela vous devrez plonger dans un monde peuplé de créatures cauchemardesques. Des menaces horribles vous guettent à chaque coin de cet univers tordu et dérangeant. Affronterez-vous vos ennemis directement ou préférez-vous glisser dans les ombres pour survivre? Et c'est un jeu de survie, mais c'est également un jeu d'horreur. Et si jamais vous avez envie d'en voir sur la chaîne, par exemple en live, ça peut être très très cool en live. Je pense un jeu d'horreur que je n'ai encore jamais découvert en live, ça peut donner quelque chose d'exceptionnel. Donc si ce week-end vous avez envie qu'on se fasse un gros live dessus, n'hésitez pas à me le dire. Et pour clôturer cette vidéo, les petites informations de la chaîne, voilà, on va pouvoir terminer par les informations de la chaîne. La première, c'est que ce matin, j'ai publié la vidéo sur un Super Smash Bros Live, c'est-à-dire c'est un jeu qui ressemble carrément à Super Smash Bros, c'est la même chose, de A à Z, sauf qu'il n'y a pas Pikachu, il n'y a pas Dracaufeu, il n'y a pas Metroid, il n'y a pas tout le monde, ce sont des personnages complètement originaux. Le jeu s'appelle Brawlout, il est disponible à 19,99€ sur le Nintendo eShop, il est juste fantastique, je vous le conseille. Je suis un très grand fan de Super Smash Bros depuis le premier sur lequel on jouait avec mes potes, et honnêtement je vous le conseille, il est juste trop bien. Et puis pour patienter jusqu'à ce que Super Smash Bros sorte, je pense que c'est la meilleure alternative possible qui puisse vous être offerte, et honnêtement même si c'est une alternative, je pense clairement que ça peut pas le remplacer, mais ça peut faire du bruit. Ce petit jeu, il peut faire du bruit. Je pense que c'est un petit jeu indé qui peut faire du bruit. Cet après-midi, je voulais vous sortir la vidéo sur une démo qui vient de sortir sur le Nintendo eShop, mais je pense que je le ferai demain parce que du coup, avec celle-ci, ça fera déjà deux vidéos aujourd'hui plus le live de ce soir. Donc ça ferait un petit peu beaucoup de vidéos et j'ai pas trop envie de vous spammer avec des notifications. Donc du coup, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller participer au concours sur Facebook, Instagram et Twitter en vous abonnant à la page YouTube, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la petite capture d'écran, et vous me balancez ça sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Je rentrerai les gens manuellement. Je pense que vous allez être pas mal à participer, mais c'est pas grave, je vous rentrerai manuellement dans le logiciel, ou alors j'essaierai de faire une liste avec. Je sais pas comment je vais faire, je m'occuperai de tout ça. Et pensez bien que le gagnant sera contacté encore une fois en privé. Voilà, comme je le dis, je le répète, on m'a déjà demandé oui, comment t'as contacté le gagnant? Quelqu'un m'a déjà écrit par mail, 3 mails, plus deux messages sur YouTube, plus deux messages sur Facebook. Comment t'as contacté le gagnant? Est-ce que c'est moi le gagnant? Non, c'est pas toi le gagnant. Je contacte le gagnant en privé quand je peux. Parce que je vous explique en fait. Alors je vous explique pourquoi je fais ça. Parce que le premier concours que j'ai fait sur la chaîne, j'avais fait gagner, je crois. J'avais fait gagner une personne, je crois. Et j'ai reçu par mail et sur Twitter. Alors, va comprendre. 3 personnes qui s'appelaient pareil.
C'est quand même étonnant, je sais pas ce que vous en pensez. Donc moi voilà, j'ai eu du mal à trouver à démêler le vrai du faux. Finalement j'ai réussi à trouver la vraie personne et je lui ai envoyé. Les deux autres, eh bien je leur ai dit que c'était pas cool. Et puis voilà. Mais en tout cas maintenant ce que je préfère c'est contacter en privé quand je peux. Encore une fois, donc là les précédents gagnants, il y en a eu un sur Instagram, il y en a eu un sur Facebook, et du coup peut-être que le prochain sera sur Twitter, je ne sais pas, c'est le logiciel qui décide. C'est le logiciel qui décide, ce n'est pas moi encore une fois. Et du coup, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à participer encore une fois. Dites-moi pour Evil Within 2 si ça vous tente. Je vous poste une prochaine vidéo demain matin sur la Switch avec un truc super sympa de la Switch. Vous verrez, voilà, je vais pas trop vous spoiler, vous verrez. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait déjà 3 fois que je vous remercie, mais voilà à quel point je vous remercie. On se retrouve sur la chaîne très très vite ou pas, ça dépendra encore et toujours de vous. Vous pouvez vous abonner si vous avez envie, si vous avez kiffé, si vous kiffez le contenu. Vous pouvez également liker cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite les gens ou pas. Salut, salut.